Alors, vous voulez vous occuper de cette tâche de surveillance. C'est cela? Vous avez quelques connaissances en la matière, quelques expériences? Bah, bien sûr. Ouais. C'est pas Mayal. Des exemples? Moi, c'est ma spécialité. J'adore me cacher, surveiller les gens. Je suis une fine observatrice, donc je pense que je peux vous aider. D'accord, très bien, très bien. Et vous, là, le petit baraqué? Bah moi, j'ai travaillé... J'ai travaillé toute ma vie dans les monts courts, alors voir dans le noir, c'est pas un problème. D'accord, très bien. Bon, Sam, c'est intéressant. Est-ce que vous avez des missions que vous avez menées à bien qui puissent me permettre d'avoir confiance dans ce que vous me dites et une parfaite connaissance de qui vous êtes? Ça n'irait pas non plus d'engager des incapables qui laisseraient passer le premier homme sous au milieu de leur garde, ou pire, qui se feraient égorger comme des moins que rien. Un entrepôt n'a pas besoin de paperasse administratif et funéraire supplémentaire. Allons, je ne vous permets pas, je suis un guerrier accompli et ma collègue ici présente, Mayal, l'est tout autant. Oui, non mais bien sûr, mais permettez-moi d'en douter sans avoir des preuves tangibles. Est-ce que vous avez... Ah bah sur ça, je sors mon marteau que j'appose lourdement sur sa table avec son encrier, j'espère, qui va se casser la gueule. Mais c'est quoi ces manières là? Vous vous croyez où? Non mais je vous rappelle que vous êtes dans les entrepôts Modric. Hein, attention à vous, attention à ce que vous faites. Je vous préviens. Comme élément de dissuasion. Mais ça ne me dit pas que vous n'êtes pas incapable, ça me dit juste que vous avez un gros marteau que vous savez pas où poser. Non mais j'avais l'habitude moi de faire les rondes autour de mon village parce qu'il fallait qu'on se relaye, forcément on est caché dans la forêt et tout, on s'attend à beaucoup d'attaques, donc on faisait les rondes en général chacun notre tour tous les jours et moi j'étais particulièrement douée à ça parce que j'arrive à vivre la nuit et à récupérer ensuite le jour, donc je suis jamais fatiguée le soir. D'accord. Fais-moi un jet de perception et un jet de diplomatie. J'ai fait un jet de 11 en perception et 21 en diplomatie. C'est un critique, je précise. Il a l'air de tout à fait te croire sur ce que tu dis. D'accord, très bien. Je prends note. Ça me semble être plutôt convaincant. Par contre, vous manquez d'observation. J'ai même un périscope, donc je peux surveiller comme je veux. Oui, mais vous n'avez même pas vu que je venais de glisser une petite dague dans ma botte. Va falloir remédier à cela. Ah, bah vous sera pas très utile dans votre botte, si je peux me permettre. C'était un test. Bon. Après, je vous crois, hein, quant au fait que vous aviez fait des rondes la nuit là-bas. Bon, bref. Et vous autres là, déjà, dégagez-moi ce machin là qui m'encombre tout le bureau. Et puis je vais devoir ramasser tout cet encre. Je vous dis pas bravo, hein. Eh bah vous demandiez des arguments, je vous ai posé mon plus gros sur la table. Alors estimez-vous heureux qu'il soit allé sur la table justement. D'habitude je vise pas les tables, voyez-vous. Oh les nains, franchement vous avez rien à envier aux humains, hein, franchement. Ep. La demi-portion bon. Elle va se calmer, hein. Alors, oui, mais la demi-portion, elle est chez elle, alors elle dit ce qu'elle veut. Alors, dites-moi tout, et vous, en quoi devrais-je croire que vous êtes capable de quoi que ce soit? Est-ce que vous avez réussi des missions? Est-ce que vous avez des références à me donner? Des références, je dirais pas jusque-là, mais effectivement, depuis mon départ de Belisdal, et puis pour aller rejoindre la ville d'Ibreniac, ouais, j'ai eu pas mal d'aventures en chemin. J'ai été gardien de troupeau le temps d'une nuit ou deux. J'ai été amené à garder également les charrettes de certaines personnes
qui avaient a priori des peurs qu'on leur vole des choses pendant la nuit sur ces dites charrettes. J'ai été garde du corps pour certaines personnes également dont la vie ne tenait qu'à un fil. Beaucoup de choses. Après, je pense que le meilleur moyen de vérifier tout ça, c'est de regarder ce beau marteau. Et là, je lui ressors le marteau et je le pose cette fois-ci juste à côté de ses pieds. Alors, il est encore assis sur la chaise. Il n'a pas bougé de sa chaise. Ah oui. Bon, je le fais tomber lourdement à côté de sa chaise à ce moment-là. D'accord. Fais-moi un jet de diplomatie ou charisme. Au choix. Les deux, ça va être le même, hein, j'ai 0 points. Diplomatie, hein. C'est 13. Mais tu peux faire un jet d'intimidation. Ce qui est pas mal, parce que j'ai moins 1. Ok, intimidation, ça je devrais avoir un peu plus. Non, pas du tout, c'est du charisme aussi. C'est vraiment. On commence avec. Oh là là, oh là là, oh là, putain, je suis pas crédible, Okay. Ah, le 3 alors, en intimidation, Ton intimidation. Disons qu'en fait, tu vois, t'as voulu un peu l'intimider en lâchant le marteau à côté de ses pieds. Sauf que t'as posé ton marteau comme ça et t'as pas fait gaffe et ton marteau vient de se casser la gueule sur ton propre pied. C'est sûrement à peu près ça ce qui s'est passé, ouais. Ce qui fait que ça casse un petit peu les faits. Bon, après, il te croit sur ce que tu dis. Il prend note, et tu le vois qui tourne de sa chaise, je vais tout bouger, il tourne de sa chaise, descend de sa chaise. Il est vraiment petit, hein. il fait presque la taille de... Enfin, il fait à peu près la taille de Mayal, alors que les gnomes sont légèrement plus grands, normalement. Et il s'approche de toi, il te regarde comme ça, de haut en bas, hein. Il est vraiment en train de te toiser de haut en bas, en train de te regarder. Il fait le tour un peu... Il cogne un peu sur ton armure pour voir un peu ce que ça donne. Il regarde ton marteau, il essaye de le soupeser un peu. Bien. Bien, ça m'a l'air pas trop mal. Et vous aviez dit que vous étiez juste tous les deux, c'est cela ? Alors, nous avons potentiellement deux autres camarades qui seraient intéressés. Nous leur avons juste pas encore annoncé que nous allions participer à cette mission. Nous devons les rejoindre ce soir justement pour en discuter, mais vous pouvez être sûr que vous aurez au moins nous deux à participer sur cette mission. Deux autres camarades. Dites-moi plus sur ces camarades. Qui sont-ils? Que font-ils? Quelles sont leurs capacités? L'un des deux est un très grand enquêteur. L'un des deux est enquêteur? Ah, une chose intéressante. Quel est son nom? Kratel, attendez, j'essaye de me souvenir. Kratel Ozvum. Ça me dit quelque chose, oui, peut-être bien. Un enquêteur, vous dites? C'est ça. Voilà qui pourrait être particulièrement intéressant, effectivement. Vous avez entendu parler, du coup, de l'effraction que nous avons éventuellement eue? Enfin, bon, n'allez pas le crier sur tous les toits, hein. Il s'agirait de garder la réputation des entrepôts Modric intacte et surtout ne pas faire croire à nos clients qu'il y a des failles de sécurité. Donc, gardez cela pour vous. Effectivement, nous avons eu quelques vols et l'aide d'un enquêteur pour éventuellement trouver la source de ces vols, trouver le responsable de ces vols pourrait être quelque chose d'intéressant. Je gage que Monsieur Modric serait effectivement très très intéressé par le fait que qu'on lui ramène le vaurien qui a fait cela. Okay. Et vous avez parlé d'une quatrième personne. Cette quatrième personne, qui est-elle? Et c'est une personne que nous appelons Mibi. Je vais faire court. D'accord. Et bah écoutez, c'est une de vos compatriotes. Il s'agit d'une petite gnome. Voilà, ne soyez pas condescendant en disant petit devant gnome, s'il vous plaît. Parce qu'elle est plus petite que vous, bien sûr, c'est tout. D'accord. Donc une gnome. Une gnome. J'espère qu'elle maîtrise ce qu'elle fait. Qu'elle n'est pas comme la plupart de mes codisciples, qui sont généralement un peu farceurs. Il s'agirait pas de foutre le feu ici, quand même. Justement, ce serait aux voleurs et ils auraient bien besoin d'une petite leçon. Ah, en ce cas, pourquoi pas.
Bien, bon, bah, j'ai pris note de tout ça. De toute façon, j'ai pas eu d'autres candidatures pour aujourd'hui. Bon. Eh ben écoutez, je vous attendrai à, on va dire, une heure avant la tombée de la nuit, à peu près, hein, pour votre prise de poste. Est-ce que cela vous convient ? C'est parfait. Très bien, parfait. Oui, juste une chose, donc vous, vous avez vos propres armes, vos camarades aussi ? Oui. Très bien, très très bien. Vous attestez être majeur et en pleine possession de vos droits de décision. Vous acceptez que toute responsabilité en cas de décès au cours de votre contrat ne soit imputée à l'entrepôt. Voilà, ouf. Veuillez signer en bas de ce papier. Très bien. Attendez, quoi ? Vous pouvez relire la dernière ligne, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, veuillez signer ici. Non, ça c'est vous qui le disiez, mais je voulais dire la dernière ligne dans le contrat. Ah non, mais c'est ce qui est écrit, veuillez signer ici. Alors l'avant-dernière ligne. L'avant-dernière, vous acceptez que toute responsabilité en cas de décès au cours de votre contrat ne soit imputée à l'entrepôt. Oui, d'accord, très bien. Oui. C'est un contrat classique, Mayal, nous avons les mêmes à Belisdal également. Mais est-ce qu'on est indemnisé si on est blessé quand même ? Ah, écoutez, il y a déjà une paye à la fin de la nuit. Tout dépend de ce qu'il a pu se passer. L'indemnité sera selon vos résultats. Hein. Si les résultats sont que vous êtes blessé, mais que vous avez échoué à votre mission, vous estimerez certainement déjà content d'être payé. Bon, bah on va faire en sorte qu'il nous arrive rien, Mayal. Tu veux faire en sorte qu'il nous arrive rien, hein ? Bah, nous allons faire en sorte qu'il ne nous arrive rien. Eh bien, bon allez, parfait. À ce soir. Allez-vous. C'était combien déjà la récompense ? J'ai du travail. La récompense, c'était 4 pièces d'or. Pour tout le groupe, hein. Pour tout le groupe, c'était pas... Alors, mais ça reste très très intéressant pour une nuit de travail. Hein. Alors oui, petite précision pour ceux qui nous regardent. Voilà une des règles que j'ai un peu adaptées dans Pathfinder pour ramener un peu plus de cohérence dans ce monde et le rendre un peu plus réaliste. J'ai baissé le cours des choses, histoire que eh bien, ce ne soit pas la pièce d'or, mais la pièce d'argent, la monnaie courante. Les pièces d'or, c'est un peu plus exceptionnel, sachant qu'une pièce d'or vaut 10 pièces d'argent. Donc c'est quand même 4 pièces d'or, ça vaut 40 pièces d'argent, c'est quand même assez confortable. Du moins pour une personne qui fait un travail pour une nuit. Alors, non, du coup, bon, il vous met poliment un peu dehors parce que, allez-y, j'ai du boulot. En plus, je dois nettoyer votre bazar. Ok. Et vous vous retrouvez à nouveau donc sur les quais, et cette fois-ci un peu plus proche de l'entrée de la ville, où cette fois, vous entendez un fermier discuter avec un citoyen qui semble dire que il s'est encore fait bouffer 2 poules cette nuit par ces chiens errants là qui viennent de la forêt. C'est vraiment un problème, hein. Ouais, Mayal, ça t'intéresse ou non? On passe comme ça, comme tu le sens. Ouais, moi j'ai cru voir l'annonce, si je me souviens bien, qui donnait une récompense. C'était combien? C'était 20 pièces d'argent. Attends, je vérifie. Ah, quand même. Oui, 20 pièces pour d'argent. Des chiens errants. C'était des loups, hein, après. Non, c'est des chiens sauvages. Ils ont mis une meute de chiens sauvages. Ah, une meute. Bah, une meute, ça commence à 2, quoi. C'est comme un groupe, ça commence à 2, ouais. Voilà, si on a de la chance, ce sera un combat équilibré, quoi. Et bah, on peut... je sais pas si on a trop le temps de s'en occuper, parce qu'au final, là, il est déjà midi. Vous êtes début d'après-midi, il doit être 14h, un truc comme ça, là. Moi, je serais plus d'avis de se balader un peu pour découvrir la ville et puis progressivement aller à la taverne du Bourdon Cogneur pour rejoindre les autres. Ou pas embouteiller de l'hydromel aussi, il y avait une annonce intéressante si on veut visiter la distillerie et tout. Alors c'était pas pour visiter l'hydromellerie, c'était pour mettre en bouteille. Hein. Techniquement, la mise en bouteille, elle se fait dans la distillerie. Donc, oui, tout à fait. Tout à fait. Elle serait située où cette distillerie ? Alors, l'hydromellerie, elle est pas trop loin. Elle est juste sur la place là, sur laquelle vous êtes. Ah bah on est à côté en plus. Alors du coup ? Moi je suis pour.
Comme ça, en plus, on pourra peut-être chaparder une ou deux bouteilles. Ah non, mais là, toi, t'es parti de l'autre côté. Pour aussi. T'étais là. Pardon, je l'avais pas vu. Du coup, vous voyez donc l'hydromellerie avec, des gens qui savent faire. Vous voyez le patron qui est en train de sceller des tonneaux, etc. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, mon brave. Nous avons entendu parler d'une annonce. Nous avons lu une annonce comme quoi vous cherchiez du personnel pour de la mise en bouteille. Ah oui, oui, bien sûr. Bonjour. Par contre, je ne fais pas travailler les enfants. Hein. Mais je suis pas un enfant, en fait. On dirait, mais en fait, non. Ah bon? Ah bah, autant pour moi. Oh, vous autres, les elfes. Je suis un alphelin, en fait. Pas tout à fait un elfe non plus. Ah, j'ai jamais vu d'alphelin de ma vie. Vous m'excuserez. Ce serait pour cet après-midi, pour les prochains jours à venir. Combien de temps est-ce que vous êtes disponible? Bah déjà cet après-midi, ça sera bien. Pour cet après-midi, d'accord. Ce sera une demi-rémunération, hein, par contre. Hein. Quoi une demi? Bah parce que du coup, c'est une rémunération par jour que j'avais mis sur l'annonce. Par jour complet de travail. Mais vous êtes deux personnes, une demi-rémunération reviendra à une rémunération complète pour une personne. Ça vous fera donc 6 pièces de cuivre à la fin de la journée. Ça rembourse les repas. Moi, ça me va. Eh bien, allons. D'accord, ça vous va? Parfait, super. Alors, vous voyez, il y a les bouteilles là-bas. Vous voyez la vous avez les tonneaux avec les clés, là. Vous savez comment ça fonctionne? Vous avez déjà fait ça? Non, pas du tout. D'accord. Alors, vous voyez, vous avez le tonneau, là. Alors, faites attention hein, à votre dos. Attention, hein. Vous êtes costaud. Peut-être plus vous, hein, pour bouger les tonneaux, d'accord? Vous les faites bien rouler sur le côté, vous amusez pas à les porter, vous y arriverez pas. Vous les faites rouler et après vous les basculez hein, avec la clé en bas. La clé, c'est ce qu'on appelle le petit robinet, vous voyez. Donc la clé en bas, hop. Et une fois que la clé est en bas, là à ce moment-là, donc vous prenez les bouteilles, vous les installez à l'étage du dessous. Hein, donc vous voyez, vous êtes les tonneaux sont sur une petite surélévation, hein, une petite estrade, donc vous les installez là, vous vous installez confortablement sur un petit tabouret en dessous, et vous remplissez les bouteilles. Juste à côté, vous avez la mise en bouteille, vous avez l'appareil pour mettre les bouchons. Donc vous vous organisez, vous avez Céric qui est juste à côté de vous, qui pourra vous aider, notamment pour l'embouteillage, l'embouchage. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Moi, j'ai des livraisons à effectuer. Merci. On peut goûter. Ok. Attends, mais c'est vrai ça. C'est quoi comme Oh non, me dis pas que c'est de la blonde. Je regarde l'intérieur d'un tonneau. Je regarde les bouteilles. Alors, qui sont peut-être déjà faites. Ça sent. Ça a une couleur un peu cuivrée. Couleur un peu de miel. Ça sent très sucré. Mm-hmm. Ça sent vraiment le miel. C'est de l'hydromel. Ouais, non, mais c'est pas trop mon truc, mais si on embouche du bon hydromel ou pas, quoi. Ah bah alors t'as des petits verres qui sont installés sur le comptoir non loin de là. Si t'as envie, tu peux te servir un petit verre. Eh bah allez, t'en veux toi? Non, toi tu manges. Ouais, moi je prends un gâteau. Ok, hey, donc tu vas chercher un petit verre et puis t'as le jeune à côté qui était en train d'aider aussi, enfin qui a l'air d'être là aussi pour aider sur la saison, qui est Céric là qui se tourne vers toi, il fait mais qu'est-ce que tu fais? Tu goûtes? Mais moi on m'a dit que j'avais pas le droit. Ça se boit? Non, moi on me l'a pas dit, donc moi je veux savoir sur quoi je travaille quand même. Ah bah, il est réputé dans toute la ville, l'hydromellerie. L'hydromel est réputé dans toute la ville. Ah, mais je connais pas. Ah bon, bah alors attends, je vais m'en prendre un petit verre aussi. Mais finalement, vas-y, je tombe mon godet. Il regarde un peu partout. Bon, vous rincerez bien les verres, hein, j'ai pas envie de me faire engueuler derrière. Hein. Il y aura une goutte qui restera, t'inquiète. Donc vous goûtez l'hydromel, et ça a un goût vraiment très doux, très sucré. C'est vraiment très agréable en bouche, ça attaque pas le palais, ça glisse tout seul, vous avez fini votre verre en un rien de temps, peut-être même un peu trop rapidement. Vous dites que potentiellement ça peut être quelque chose d'un peu traître, que vous pourriez boire un peu
peu trop rapidement. En même temps, faut qu'on s'habitue un peu, parce que si ce soir on boit un verre au bourdon cogneur, j'ai l'impression que ça va être autrement plus costaud encore, vu le nom de la taverne. Donc, Moi j'aurais bien envie de leur en ramener, tiens, qu'ils goûtent les autres. Ouais, mais là c'est plus un verre, là c'est un vol. Oh, une bouteille qui est tombée, qui est cassée, ça arrive vite, hein. Ouais, mais tu l'emmènes comment, une bouteille qui est cassée? Elle s'est cassée dans mon sac. On dit qu'elle est cassée, mais en fait, elle est juste tombée dans ma sacoche. Oui, voilà. Ça me semble. Devant un juge, ça passe. D'accord. Rappelez-moi vos alignements respectifs. Moi, si ça avait été de la bière naine, ça m'aurait fait chier. Non, non, je respecte. Même si c'est pas mon truc, je respecte. D'accord. Pas de vol. Okay. Du coup, Mayal, est-ce que tu te ravises ou t'essayes quand même de voler un truc pendant qu'il regarde pas? Bah, je vais commencer à embouteiller et puis je vais réfléchir en même temps. D'accord. Bon. Ok. Ouais. Donc, moi, je vais chercher les tonneaux pour les faire rouler. Ouais. Ok, parfait. Vous commencez à embouteiller. Alors, toi, de ton côté, Image, tu vas lancer pour Eldebaf, tu vas lancer un jet de constitution. Et pour Mayal, on va. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas aussi me lancer un jet de constitution. Ah, voilà. Oh, je suis mieux constitué. T'as la vache, t'as une constitution de malade, toi. Ah, elle de baf, toi. Attends, c'est bon, après c'est le jet, hein, qui fait, hein. Elle a fait un 13 naturel, t'as fait un 4 naturel. Donc un résultat de 9 pour elle de baf. Donc elle de baf, au bout d'un moment, les tonneaux sont lourds, hein. Tu commences à fatiguer, ça commence à être vraiment, ça tire sur les bras. Il est à peu près 5h de l'après-midi quand tu commences à vraiment plus pouvoir bouger tes bras. C'est le servidé de ce midi, là. Il me reste sur le... Et il en reste encore des tonneaux. Après, tu te doutes que tout l'embouteillage ne pourra pas se faire en un jour et que potentiellement, il y aura besoin d'embouteiller sur d'autres jours encore derrière pour finir toute cette saison d'hydromel. Mayal, toi, de ton côté, tu tiens bon ça te fatigue, tu moi, fatigues pas trop. Moi, je marche sur les tonneaux pour les faire rouler. Je sais pas si c'est une très bonne idée. Acrobatie, non, mais, toi, du coup, t'étais en train de remplir les bouteilles. T'as eu un petit moment où t'as eu un léger coup de mou. Ça devait être l'heure à peu près de la digestion. Et puis, après, non, au final, c'est bon. Tu remplis tes bouteilles, tu les passes, tu les remplis, tu les passes. Tout va bien. Tu te mets même un petit moment à siffloter, tout va bien, voilà. T'es contente de ton travail. Alors, il était parti au début, il est revenu au bout de 2 heures, le patron. Donc, il vous a tapé un peu la discute pour savoir qui vous étiez, d'où vous veniez, si vous vouliez goûter l'hydromel, hein, il vous propose. Vous voulez le goûter, vous voulez voir ce qu'il donne et tout Parce qu'après tout, vous travaillez dessus. Avec hein, plaisir. Voilà, ce n'est qu'une récompense supplémentaire en plus de votre paye pour vous remercier. Tenez, goûtez. Alors, on est sur un hydromel de fleurs, hein, donc quelque chose de très très goûtu, avec beaucoup de saveurs, beaucoup d'arômes, pas trop sucré en bouche, mais allez-y doucement hein, quand même, hein, parce que. J'en connais qui ont roulé sous la table pour moins que ça. Hein. Ah. Allez, bah tant que ça fait rouler les tonneaux. Hein. Donc, du coup, hey. Il vous fait goûter. Allez, Céric, je vais être sympa. T'es mineur encore, mais bon, je te sers un petit fond. Hein, d'accord? Tiens. Elle est pas mineure. Mais non, Céric. Non, mais Céric. C'est le jeune qui est avec vous. Ah, lui, il est mineur, d'accord. Okay. D'accord. Donc, il fait travailler les mineurs. Lui. Ah, écoute, mais c'est pour ça qu'il a pas le droit d'en boire. Il vous a pas dit d'où il venait, mais oui, apparemment, lui, il fait travailler ce mineur-là, en tout cas. D'accord. Eh ben, pourtant, il vous avait dit, je fais pas travailler les enfants. C'est pas faux. J'avoue, il se contredit, là. Ça, pas du tout. Bon, à un moment donné, vous comprenez à peu près pourquoi, parce que vous entendez Céric qui l'appelle tonton. De corps. Allez, alors en plus, ça doit travailler au noir, tout ça. Donc bon, à un moment donné, vous vous dites, bon, d'accord, ok, il fait travailler son neveu. Et il vend combien ces petites bouteilles là? Alors une bouteille, attends que je regarde au niveau des prix. Une Comment, bouteille. Bah, ça vaut le coup de payer ou pas? Je veux savoir si ça vaut le coup ou pas. Une bouteille, c'est 5 pièces de cuivre.
Ah, mais autrement c'est quasiment dit, toute la paye. Ah bah non, attends, non, non, vas-y, on va. Par contre, un coup, du coup, un verre, ça doit coûter une pièce de cuivre au moins. Ah bah c'est un hydromel qui est assez cher en soi. Et il vous dit que si vous voulez acheter une bouteille directement ici, moi je vous fais un prix, hein, je vous la fais à 2 pièces de cuivre. Bon, moi c'est pas ma tasse de thé, hein, ou plutôt ma chope de bière, je devrais dire. Donc je vais pas insister pour en prendre. D'accord. Mayal ? J'hésite. J'hésite. J'ai pas envie de sortir les sous, mais j'ai pas envie de le voler parce qu'il est gentil quand même. Ah. Je préfère rien le voler quand même. Quelle considération de ta part, c'est bien aimable. Donc. Voilà. Non, tu passes du coup. Quelle réflexion. On repassera peut-être. Vous repasserez, ok. Donc il est maintenant. Quand vous serez fermé. Il est maintenant plutôt à la fin d'après-midi. Hein, il est dans les 5h, 6h, quoi, vers là. Quand vous arrêtez donc de travailler et que vous prenez la direction de l'auberge du Bourdon Cogneur, dont vous a parlé Kratel. Et donc vous repartez pour traverser la ville. Il va un peu en zigzag avec tout le fer ou... Ah, il est. Tu dis qu'il est quelle heure à arriver à ce moment-là? 5-6 heures à peu près. D'accord, et on est en. C'est quelle période de l'année? Parce que la tombée de la nuit, c'est peut-être pas dans. C'est l'été. D'accord, donc faut qu'on y soit. Ok. Faut qu'on y soit vers 20h peut-être quoi à l'entrée. Oui, voilà à peu près. C'est à peu près ça. Okay. Vous avez encore un petit peu de temps pour profiter de la ville. Faut quand même qu'on arrive à rejoindre le Bourdon Cogneur peut-être une heure, on va dire vers 19h max, histoire d'exposer un peu à Kratel et Mibi. Le bah voilà un petit peu ce qu'on a fait comme contrat pour l'entrepôt, pour que voir si ça les intéresse ou pas de venir. Donc là je sais pas, on se dit maximum une heure à batifoler encore un peu dans la ville, puis après on se dirige vers la taverne. Faisons ça. Ok. De toute façon, alors, il y a moyen qu'on s'écarte un peu de notre chemin. Donc vous entrez dans cette ville qui est effectivement assez agitée, hein, il y a beaucoup de choses, etc. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous souhaitez voir dans la ville? Est-ce qu'il y a des zones que vous voulez visiter? Ouais, regardez la légende. Donc on va finir dans le 10, au marché des petites bourses. Au début, j'avais lu le marché des rites bourrés. Je me disais que ça devait pas être ça. C'est un peu les mages low cost de la ville. C'est le quartier. Ouais, c'est le quartier qui est un peu plus pauvre à l'extérieur de la ville. Voilà. Un peu plus modeste, on va dire. À la rue du Bric et du Brac, il y a peut-être des choses intéressantes à chiner là-bas. Alors, la rue du Bric et du Brac, c'est la grande rue sur laquelle vous allez déboucher en fait en arrivant. D'accord. Donc c'est cette grande rue-là qui fait tout le long, qui est vraiment qui tient presque plus d'une avenue que d'une rue, et dans laquelle vous avez effectivement des marchands dans tous les sens. Vous avez des gens, des touristes un peu partout. Vous avez des bardes en pleine rue qui sont en train de faire de la musique. Quelques personnes habillées en longues robes. Vous savez pas exactement si ce sont des mages ou autre chose. Et puis, faites-moi un jet de perception. Est-ce qu'il y a aussi des artisans forgerons dans cette allée? Dans cette... Tu entends des forgerons, effectivement. Ah, ça m'intéresse. Perception. J'ai fait 13. J'ai fait 10, j'ai fait 10 parce que le reste on s'en fout. D'accord, 10 et 13. Alors, bon, vous êtes un petit peu submergé par la quantité d'informations que vous avez autour de vous. Mayal, toi tu distingues à un moment donné, tu as un petit doute, mais t'as l'impression de voir une personne qui semble être un pickpocket, qui passe un peu au travers de la foule, qui a une sorte de petite capuche et qui passe un peu entre les... subrepticement entre les gens, qui s'arrêtent un petit peu plus à un endroit avant de repartir, et vous voyez les personnes qui font pas spécifiquement attention dans la rue. Toi, Eldebaf, t'as rien remarqué. On avance. Je vais le suivre, moi. Bah, tu pars où, Mayal? J'ai vu un truc par là-bas. Ok, alors fais-moi un jet de survie pour pistage. Sachant que tu dois avoir un bonus en pistage, non? Tu as un bonus de plus 1. Enfin, en fait, tu rajoutes la moitié de ton niveau, au minimum plus 1, à tes tests de survie pour suivre des traces.
Du coup, tu as plus 1. 14. Donc du coup, tu as fait 14. Donc, arrive à le suivre pendant un petit moment. Et en fait, à la rue d'après, tu le suis, il remonte là par là. Il remonte vers le nord, quoi. Voilà. Et en fait, tu le perds quand il arrive au niveau de cette place-là. Ah, il y a du monde. Ouais, effectivement, en fait, c'est la place sur laquelle donne la tour des mages. Et du coup, en fait, c'est une grande place du marché. Je m'approche pas, moi. C'est une grande place du marché où, du coup, t'as beaucoup de monde. Et c'est un peu compliqué, du coup, de le suivre, quoi. Alors, tu vois de plus près cette tour des mages qui est particulièrement invraisemblable, hein, parce que elle a vraiment des bâtiments, enfin, elle a vraiment des morceaux de bâtiments agencés dans tous les sens. Tu sais pas exactement comment ce bâtiment tient, hein. Tu t'y connais pas en architecture, mais c'est assez peu naturel la manière dont ce bâtiment tient. Sur cette place, tu as énormément de choses. Alors tu as une grande auberge ici, qui est vraiment imposante. Tu as différentes boutiques, tu as des petits stands là, comme ça, itinérants. Tu as ici une boutique qui semble vendre des objets magiques, pour le coup. C'est extrêmement rare, mais cette boutique-là semble vendre des objets magiques. Et puis, Eldebaf, lui, de son côté, repère dans ce bâtiment un forgeron. Et donc, du coup, vous voyez cette grande place et vous l'avez perdue ici. Bah moi, je vais fouiller chez le forgeron. Bah moi, la boutique d'objets magiques m'intéresse bien. Ouais, tu vois que c'est... En fait, c'est ça a l'air d'être trié à l'entrée. Trié sur le volet. Parce qu'il y a un espèce de gros gorille à l'entrée qui garde la porte et qui surveille un peu tous les passants et tous ceux qui veulent rentrer. Et j'essaye de passer dans la foule. Ouais, mais la porte est assez étroite et quand t'arrives, en fait, il t'attrape par le col et il te jette un peu en direction de la rue. En direction de la place, et il te fait les petits fouineurs sont pas acceptés ici. Ah, le petit bâtard. Fais-moi un jet de réflexe. Le gros bâtard. Le gros bâtard. Jet de réflexe dans l'onglet défense. Yep. Ok, ça va. T'arrives à te réceptionner sur tes pieds sans souci. Ah ouais. Et du coup, que je vois, ouais. Tu n'es pas tombé. Je veux quand même regarder par la vitre ce qu'il y a là-dedans, moi. Tu fais du lèche-vitrine, du coup. Je reviendrai avec des forces armées. Tu dis ça? Ouais, il aura pas entendu. De ton côté, Eldebaf, toi, tu t'approches de cette forge et tu y découvres un nain. Tu découvres d'abord une boutique de forgeron dans laquelle tu peux acheter diverses armes et armures qui est tenue par une naine. Et à côté, tu entends donc les bruits d'enclume, les bruits du marteau sur l'enclume, et dans le fond, en fait, derrière le comptoir, tu vois donc la forge. Donc il fait assez chaud, hein, là-dedans. Ça te rappelle chez toi. Et donc dans cette arrière boutique, tu vois un nain qui est en train de travailler à préparer. Là, il est en train de préparer une épée, en train de faire une épée. Eh ben. Je sais pas, je fais un peu le tour du magasin déjà, je regarde les objets qui sont à vendre, je regarde la technique aussi, comment ils ont été faits et si je vois des différences avec ce que je connais sur ma ville natale par rapport aux techniques qui sont utilisées chez moi. Ok, fais-moi un jet de fais-moi un jet non pas de connaissance pardon mais de d'artisanat forgeron. Hein, tu dois avoir un point en artisanat là-dessus, ça, j'imagine toi. Ouais. T'es où? T'es à l'autre bout là? Ah, ok, t'as fait 12. Ils sont pas ouf mes jets aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais, ça fait 12. Tu fais pas des très très bons jets. En même temps, t'as que plus 1 en artisanat? T'as pas mis de points? Ah, j'ai pas mis de points, non. J'en avais pas tant que ça, faut dire aussi. Et c'est l'intelligence. Eh bien, du coup, tu constates le travail. Alors, t'as pas. Ça fait un moment que t'as pas pratiqué toi et que t'as pas visité de forge naine, en tout cas. Ça te semble quand même être un ouvrage plus solide que ce que peuvent fabriquer les humains. Ça a la signature des nains, très clairement. Mais tu saurais pas vraiment dire
si c'est du très bel ouvrage ou si c'est un peu de la supercherie, c'est-à-dire qu'on on lui donne un style un peu classe, mais au final, c'est pas une arme qui est si folle que ça, quoi. D'accord. Bah, si je peux parler à la naine, j'essaye de le faire. Ah, bonjour. Ah, oh, un confrère nain. Bah, soyez le bienvenu. Bonjour, merci. Je regardais un petit peu tout vos... Oui, je faisais un peu le tour du magasin, je regardais vos œuvres. C'est, est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus sur la technique que vous utilisez? Ah, bah écoutez, c'est... oui, alors nous sommes originaires de Belisdal, donc les Moncours, hein, bon, je le dis pas trop fort. Évidemment, hein, évidemment. Enfin, Belisdal, elle le dit pas trop fort, parce que, tu sais, c'est le nom de la ville, mais généralement, ils le disent pas trop devant les humains. Le langage nain reste d'accord. Un peu un langage d'initié, on va dire. Ah. Et bon, du coup, on est parti de là-bas. Ça fait quoi Barim, ça fait combien d'années qu'on est parti des Moncours, dis-moi, mon chéri. Ah, ça doit bien faire 80 ans maintenant, à peu près. Ah ouais, quand même. Et à qui tu parles, Umbael? Ah mais un frère nain. Vous venez d'où d'ailleurs et quel est votre nom? Alors, je me prénomme Eldebaf et je viens également de Belisdal, comme vous le mentionnez juste avant. Je suis un fin connaisseur de la ville. T'entends ça, Barim? Il vient de Belisdal, il vient des Moncours, lui aussi. écoute, sers-lui une bière. Ah, t'as bien naine, j'espère. Ah bah oui, parce qu'en fait, on a une brasserie aussi, un peu en dehors de la ville, et du coup, on brasse là-bas... Et on la sert ici en pleine ville. Donc voilà. Installez-vous. Et tu vois qu'en fait t'as une petite pièce. Tu un peu à côté du comptoir, t'as une petite porte qui est pas tout à fait dérobée, mais qui reste assez discrète. Et tu vois que de cette petite porte, t'as un escalier qui monte en fait pour aller sur une espèce de terrasse. Et donc là c'est la partie bar de cet établissement, quoi. Mais vous êtes très bien installé. Ah oui, donc... bah, vous savez, en 80 ans on a eu le temps d'avoir pignon sur rue, hein. Oui. Ça a pas toujours été simple, mais aujourd'hui on est assez fiers de notre affaire, assez fiers de ce qu'on fait. Bon, alors c'est pas toujours facile parce que vous savez, hein, les humains, mais bon. Oui, bien sûr. Voilà, ils voient pas forcément plus loin que le bout de leur nez. Faut pas trop leur en vouloir, ils sont pas tous méchants. Ils sont pas tous malins non plus. Je lui fais un petit sourire. Oui. Comment dire. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Une brune, j'imagine. Oui, évidemment. Eh bien, parfait. C'est parti pour une brune. Allez, puis c'est pas tous les jours qu'on croise un confrère. C'est la maison qui offre. Ah là là, mais. L'hospitalité naine n'est effectivement pas usurpée. Ah. Vous respectez les traditions à merveille. Ah, par contre, allez pas le crier sur toutes les rues, hein, parce que on le fait pas pour les humains. Ah non, mais évidemment. C'est un peu raciste encore. Mais clairement. Mais c'est... On se plaint du racisme, mais on n'est pas mieux, en fait. Mais c'est ça, disons que tu réponds. C'est face à un communautarisme, voilà. Toi, tu crées aussi ton propre communautarisme. Enfin, bon. Donc, tu t'installes sur une table et tout, et puis la naine, s'installe à côté de toi, et puis tu vois assez rapidement, ça a l'air d'être la fin de la journée, la partie forge, il est en train de fermer son atelier et tout. La boutique reste encore un peu ouverte, mais il a fermé son atelier. Et tu le vois qu'il monte, alors il est plein de suie, plein de sueur et tout, et tu vois donc le dénommé Barim qui monte, qui s'essuie un peu les mains, et qui vient s'asseoir aussi à la table. Ah ! Alors, un frère nain, tu viens aussi des Moncours. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'amène dans la belle ville d'Ignazis? Oh, pour l'instant, je suis à la recherche un peu de travail pour me renflouer un petit peu. J'ai ma collègue qui est à l'extérieur sur le marché, avec qui nous allons, nous sommes de passage dans la ville. Pour l'instant, nous
Nous n'avons pas vraiment encore de priorité sur cette ville. Moi-même, à vrai dire, j'étais aussi de passage dans votre forge pour et votre magasin pour regarder un petit peu vos techniques de forgeage. Et puis, parce que voyez-vous, moi-même, je suis forgeron de métier. Ah, oh, voyez-vous ça. Je vois que vous avez effectivement des belles pièces à vendre dans le magasin. Bon, là, je bluffe un peu parce que du coup, j'ai effectivement pas trop compris ce que je regardais, mais bon. Mais du coup, voilà. Et cela n'empêche que c'était fort que vous avez une boutique fortement impressionnante, surtout aussi loin des Montcours. Ah, merci, merci bien. Ah, c'est un plaisir. Vous cherchez du boulot, c'est ça? J'aurais bien une idée. Oui, alors j'ai. Ah. J'aurais bien une idée. Bah, voyez-vous, j'ai mon assistant qui s'est en fait pété le poignet il y a pas longtemps. Et en plus, là, on est dans une période avec la fête de la création. Vous voyez, on désemplit pas, c'est toujours plein dans la boutique. Que diriez-vous de venir travailler avec moi à la forge sur les jours à venir, moyennant salaire, évidemment. Eh bien, ma foi, c'est une offre qui ne se refuse pas. J'ai justement envie un petit peu de retravailler un petit peu mes compétences de forgeron, et puis comme je disais plus tôt, toute nouvelle technique m'intéresse. Vous seriez prêt à m'embaucher pour quel salaire et quelle période de temps? Oh bah après, en période de temps, bah ça dépend du temps que vous restez en ville. Disons que par jour, on peut partir sur un salaire de... une pièce d'argent. Parfait. Ça me semble honnête. Je serai pas disponible pour ce jour, mais à partir de demain, potentiellement, je serai présent. De toute façon, là, j'ai fermé boutique aujourd'hui. Mais bon. Ah bah voilà. Du coup, tu continues d'échanger avec eux. La soirée se passe. De ton côté, enfin la soirée se passe, non, la fin d'après-midi se passe. Alors, et de ton côté, Mayal, toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis parti faire du lèche-vitrine parce que je pouvais pas rentrer dans ma boutique. Alors, d'accord, ok. Alors sur les étalages, là, tu vois qu'il y en a pas mal qui commencent un peu à ranger parce que ça commence à être la fin de la journée. Tu as un peu de tout. T'as à la fois des bracelets, des choses comme ça qui sont fabriquées. Tu vas avoir quelques petits poignards ou dagues un peu décoratives qui sont vendues. Tu as diverses pièces de cuir, des ouvrages, des grimoires vierges reliés de cuir aussi qui sont magnifiques. Tu as de la nourriture aussi, pas mal de nourriture. Et puis quelques gris-gris par-ci par-là, ouais, divers et variés. C'est un marché, quoi. Ouais, mais ce que je vois, c'est surtout que c'est pas dans mes moyens tout ça. Hein. C'est bien beau, mais. Ah bah, t'as pas beaucoup de moyens, c'est sûr. Bah, disons que j'ai pas de moyens. À partir de demain, si on arrive à faire notre mission avec une pièce d'or, t'auras déjà beaucoup plus des moyens. Ah, mais il me reste une pièce d'or, mais je veux pas la dépenser. Et du coup, sur vos activités, donc de son côté, Eldebaf lui finit de boire sa bière et finit par prendre congé. Des nains, parce qu'il va être l'heure de rejoindre le bourdon cogneur. Mayal le retrouve sur la place après avoir fait à peu près le tour de toutes les boutiques, après avoir fait du lèche-vitrine autour de toutes les boutiques qui étaient par là, et il est l'heure pour vous de rejoindre le bourdon cogneur. Parfait. Alors, faisons t'es où? J'arrive. Je suis là. Ah. Alors, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai pu faire des emplettes. J'ai bu de la bière naine avec des nains. Ah. Ah, tu t'es fait jeter. Ouais, on m'a refoulé à l'entrée, moi. Ah, dommage. J'aurais dû venir te chercher, alors. J'ai pu boire de la bière naine en une très, très bonne compagnie qui était des nains de Belisdal, ma ville natale. C'était... T'auras fait que boire de ta journée, toi. Mais... Je ne te permets pas. Et puis, bien sûr. Mais, d'ailleurs, attends, non, je le prends pas du tout mal. Je dis oui, merci. À la taverne, à l'hydromel, chez les nains. On va où, là? Ah, merci, ouais. Il va boire là-bas aussi. Il l'a prévu. Non, mais... Et puis, cette nuit, si à l'entrepôt, il n'y a pas à boire, c'est pas grave. J'ai encore des rations de pierre naine avec moi. Ok.
Mais merci de t'en inquiéter, Mayel. Et donc, sur ces entrefaits, en vous parlant, vous prenez la direction du Bourdon Cogneur.